بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. C'est vraiment un monument de la culture sénégalaise, de la musique sénégalaise, quelqu'un qui a marqué de son empreinte la musique sénégalaise et toutes les générations, toutes les personnes de sa génération et qui l'ont suivi aussi plus tard. Donc je suis là au nom du président de la République, au nom du gouvernement du Sénégal. L'ambassadeur va arriver tout à l'heure, donc pour aussi être auprès de sa famille, pour leur dire que l'État est là, à ses côtés, à leur côté. Et c'est un moment très dur. C'est une perte pour le monde, pour l'Afrique, mais en particulier pour le Sénégal, pour tout ce qu'il a fait à travers le monde. Il a été un des pionniers de la musique sénégalaise qui a voyagé partout dans le monde. C'est un ambassadeur que nous venons de perdre. Et nous présentons nos condoléances à sa famille, donc à son épouse, à ses enfants, et leur dire que l'État est là et sera là à leur côté. Quelle est la dernière image que vous retenez d'Ismaïla? La dernière image, je l'ai vue samedi dernier. J'ai trouvé endormi sur le lit de l'hôpital. Et j'ai pris mon livre de Coran qui est là. J'ai prié pour lui, Yassine, Ayatou Koussou, donc la Khadjakoum, avec nous. Et puis, il m'a dit, et donc, je lui ai dit, au revoir mon frère, je lui ai serré la main. Dans son sommeil, il m'a serré très fort. J'ai dit, mais mince, il m'a attendu. Et c'est ça la dernière image. Et le lendemain, sa femme m'appelle, il me dit, il est parti. J'avais bien fait. Vous avez attendu en quelque sorte? Non, c'est vrai, c'est clair. Aujourd'hui, vous allez peut-être aujourd'hui avoir la tâche, la lourde tâche de préserver cet héritage pour tous les Congolais. Ah oui, je compte sur vous. Aujourd'hui, le peuple sénégalais est derrière vous. Ah, j'ai entendu. J'écoutais vraiment le Sénégal. N'yop la gueule. N'yop. Par son excellence. Tu as écouté? Ah, président, mais vous avez fait le boulot. Mais le Sénégal, mais moi, une minute de silence, j'ai arrêté de pleurer. J'ai arrêté de pleurer, mais bon, il est sénégalais. Donc, moi, c'était Sénégal, Théoufé, Djalé, sa frère, Djalé, sa Harit. Nga xamantene ñu ñoo wax ci Sénégal ci tudduñ leen nga nekk nak icône mom mu nekkon icône groupe bi nekk icône bo xamantene Sénégal dañ leen nabo tay amuñu cadeau ndax tristesse lañu andal yeen cadeau rek nga mëna wax Sénégal nga xamantene tay xol yépp toy war na ko télé yu bëgg ci Sénégal mais man Sénégal ma leen di gëreum bu baax parce que yëg nañu té ñun tudde ko ndam suñu faté Sénégal. Nous voyons le Sénégal, mais c'est Casamance. Le président a dit qu'il y a une minute de silence, de Gnavou, du Sénat du Sénégal, il y a une fête de Gnavou, peut-être qu'il y a une fête de Malika. Il y a une fête de Sénégal, il y a une fête de Sénégal, il y a une fête de Sénégal, il y a une fête de Sénégal. Parce que le Sénégal a vraiment suivi nous, France suivi nous. Vraiment, le Sénégal, la France, l'Afrique. Ça, il faut avoir la force, quoi. Vraiment, je suis un C'est le président lui-même qui a demandé qu'on soit là. Qu'on soit là pour représenter le Sénégal, pour représenter le peuple sénégalais, en son nom, au nom de l'ensemble du gouvernement. J'ai échangé avec le ministre de la Culture il y a juste moins d'une heure.
être là. Non, il est rentré à Dakar. Non, le président, oui, mais le ministre de la Culture, il est actuellement même à Ouagadougou. Il est actuellement à Ouagadougou. Mais c'est pour dire tout ce que Touré Kounda, en général, représente pour le Sénégal. Lui en particulier, parce que c'est lui qui nous a quittés actuellement. Mais ce que Touré Kounda représente pour le Sénégal, je ne dis pas à représenter, mais représente toujours pour le Sénégal. Icône de la musique, mais de la culture qui a porté les valeurs du Sénégal, ce que le Sénégal a de meilleur. Et je pense que c'est ce que nous cherchons tous à faire, c'est transposer partout où nous sommes ce que nous avons de meilleur. C'est un groupe qui a non seulement porté ces valeurs culturelles du Sénégal, mais ce message aussi de communion, de brassage des peuples, puisant des tréfonds de la musique casamassaise, de la musique du Sénégal, mais les mixant avec des sonorités du monde pour dire voilà ce que le Sénégal peut apporter dans le rendez-vous du donner et du recevoir universel. Ce que nous avons amené aujourd'hui et qui est l'héritage de beaucoup de choses pour ce que le Sénégal continue à faire dans le domaine culturel par un peu de cet héritage. Donc nous perdons quelqu'un qui nous est cher à tous, cher au président, cher au ministre de la Culture, cher à l'ensemble de la représentation diplomatique et consulaire, mais cher au peuple sénégalais. Et c'est ça le peuple sénégalais. Dans les moments difficiles, nous sommes ensemble à l'unisson. Dans les moments aussi moins difficiles, nous sommes ensemble. Pour construire ensemble, il nous laisse un legs avec ses frères qui sont encore là. Essayons de perpétuer ce legs-là. C'est surtout un legs de paix, de brassage, d'unisson et de promotion de la belle image du Sénégal. Nous sommes là pour porter ce message du président, présenter en son nom, au nom du gouvernement, ce message de condoléances à l'endroit de sa famille, de ses proches, mais de l'ensemble du peuple sénégalais. C'est très noble. Nos condoléances émues à vous. Merci beaucoup. Merci. Mais c'est en wolof, en 10 minutes ou en 40 secondes, s'il vous plaît. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك الله أكبر.
بالسيئات عفوا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد من الآمنين اللهم من سبقنا الله أكبر ومن كان منهم في عذاب فنسألك في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رحيم وأن ترفع عنه غضبك ونيرانك وأن تبدله بنعمتك ودائما يا باسط الدين يا صاحب المواحد الكريمه أفضلنا ربنا أن يأتينا في هذه المسجد بفضل سبحان ربك رب العزة بسم الله والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ouagadougou, donc qui s'associe de tout cœur à la douleur de la communauté suite à la perte d'Ismaël Touré et Touré Kounda, s'incline devant sa mémoire et salue le génie intemporel du défunt. Suite à la perte de notre frère Ismaël Touré, voix du groupe musical Touré Kounda, en ce jour du vendredi 3 mars 2023, il est inhumé à Montreuil en région parisienne. Nous formulons à l'endroit de sa famille, de ses proches, du groupe Touré Kounda, de ses amis et de toute la communauté nos condoléances sincères et émues. Nous formons des prières ardente pour qu'Allah le Très-Haut accorde sa miséricorde à notre frère Ismaël et l'agrée en son paradis céleste le plus élevé, Firdaous. Nous sommes depuis longtemps rassurés que le passage sur terre d'Ismaël Touré n'aura pas été vain. Inch'Allah, il laisse un souvenir encore de notre fierté par le tube planétaire entonné par lui et tous les Touré Kounda, Emma. Thank you.